Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre petit Fatman Radia. Bienvenue dans la semaine 47 et bienvenue dans le message du mercredi. Et vous devez savoir que nous sommes dans la semaine du mois des ranks. ok? Nous sommes dans l'avant-dernière semaine. Dans cette semaine, vous devez vous pousser, vous devez vous pousser. Vous devez faire tout ce que vous devez faire. Vous devez casser vos pieds, vous devez vous réveiller, mais vous devez atteindre vos objectifs. Tout ce que vous devez faire, soyez fou, mais atteignez vos objectifs. Si c'est devenir Safi, si c'est devenir Platinum, si c'est devenir blue diamond, peu importe ce que vous devez faire, mais vous devez atteindre vos objectifs. Ce, ce, ce week-end-là, j'étais à Bangkok, je viens juste d'arriver. Et j'ai été avec Dados Rividier, et c'était magnifique, parce que à chaque fois que Dados Rividier... Se retrouve quelque part, peu importe l'endroit où il se retrouve, moi je l'appelle automatiquement. Je lui dis Ah, je sais pas où tu es, mais j'ai envie de te voir, même si c'est mais cinq minutes rapidement. Il faut, je veux que rapidement te parler d'un 10 mois. Pardon, donne-moi la permission de venir. J'ai fini par comprendre que quand vous avez un leader comme Dato Srivijé, restez toujours dans sa zone, c'est très important pour que vous puissiez évoluer. Et on s'est retrouvé à, à la base c'était vraiment magnifique. J'étais avec Kuna et vraiment, c'était quelque chose de magnifique. Et aussi avec Dato euh, J.M. il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se plaindre du fait qu'ils m'envoient leur engagement et je ne réponds pas depuis un certain moment sur WhatsApp, s'il vous plaît, continuez de m'envoyer cela et sachez que je vais répondre. Ne vous inquiétez pas, ce week-end. Pendant tout ce temps que j'ai échangé avec des gens, j'ai en de partager beaucoup de choses avec des gens. C'est vrai que j'ai passé un peu de temps rapidement avec mon fils. Mais il y a une chose que je dis aux gens de ne pas faire et continue toujours de faire. Constatez que les gens sont souvent très compliqués. Ils viennent te poser une question compliquée. Ils attendent une question compliquée. Et ils veulent prendre cette, cette, cette réponse compliquée là pour pouvoir aller résoudre un, un truc compliqué, pour pouvoir arriver compliqué. Moi, je trouve que les gars, excusez-moi, mais c'est trop compliqué. Les gars, sérieusement, ne compliquez pas ce business Le business, il est vraiment très simple. Et c'est pour cela que je vais revenir sur le basique pour vous montrer de la manière la plus simple comment vous pouvez développer ce business des entrepreneurs qui développent, qui sont dans le marketing des réseaux, okay? et vous devez comprendre que non, c'est vrai que nous sommes cela, mais nous sommes toujours des entrepreneurs, nous sommes toujours des businessmen. Vous devez comprendre que le network marketing, ce n'est pas un business rapide, ce n'est pas un, un truc comme ça, c'est un, un job, c'est un business simple, okay? qui n'est pas forcément facile, mais qui n'est pas aussi compliqué, ni, ni difficile. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire et que tout le monde peut s'en sortir. Ce n'est pas de l'ANA que l'industrie du marketing des réseaux a pu descendre à travers le monde entier et qu'une aide fait, fait partie de l'une des entreprises les plus puissantes de cette industrie et aujourd'hui elle a plus de 24 ans dans le monde entier. Et l'année prochaine, elle aura ses 25 ans, c'est-à-dire un demi-siècle. Donc vous devez comprendre que non, c'est vraiment très important. Mais les gars, il y a une chose, 2023 va être vraiment très intéressant, mais il y a une chose que vous devez comprendre, vous êtes propriétaire d'un business et ça c'est l'une des choses que les gens ont du mal à quoi accepter. Comprendre que la majorité de vous tous vous avez été employés quelque part mais vous avez fait des petits de business mais quand vous arrivez dans ce, dans ce business vous avez fait des petits trucs okay? mais quand vous arrivez dans ce business il y a un premier paradigme que vous devez changer vous devez comprendre que d'abord vous vous êtes propriétaire maintenant d'un business et ça c'est ce paradigme là que vous devez avoir vous devez que vos leaders vont vous aider ok le vie va vous aider qui ne va vous aider Dato, va vous aider mais vous devez comprendre que non vous êtes propriétaire de votre business vous êtes propriétaire d'un grand business. Souvent, quand quelqu'un commence l'activité, les gens ont du mal à comprendre une seule chose. C'est vrai que vous êtes business, vous êtes aujourd'hui propriétaire de votre business, mais il y a une chose fondamentale qu'il faut comprendre c'est que votre business a besoin de temps. Et ça, c'est une chose non négociable. Vous devez avoir du temps pour pouvoir construire ce business. Toutes les grandes entreprises, toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de construire un business aussi solide, un business aussi grand, ont fini par comprendre une seule chose c'est que non, le business dans lequel on se retrouve a besoin vraiment de temps qu'on puisse construire. Mais c'est seulement que dans le marketing des réseaux, les gens ont encore du mal à comprendre comprendre que non il faut du temps pour construire ce qu'ils sont en train de faire vous devez comprendre automatiquement que non si vous voulez construire un bon réseau vous voulez construire un bon système vous avez besoin de temps donc si vous n'avez pas le temps de construire ça va être difficile donc écoutez ne me, me prenez pas mal aussi il y a des gens par exemple qui vont de 8h à 9h à 18h au travail et c'est ok il n'y a pas de problème parce que j'ai des milliers de dirigeants à travers le monde entier qui ont commencé de la même manière qui avaient un boulot de 8h à 18h et ils ont commencé à travailler ils ont commencé à faire les nettocs à partir de, de, du soir ou bien à partir du week-end voilà donc il y a pas de problème avec mais vous devez comprendre que vous avez besoin de temps pour pouvoir construire votre business. Parce que beaucoup de personnes ont ce temps-là. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. C'est que, pardon, les gars, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir tout le temps pour pouvoir faire un bon, un bon réseau. Vous avez besoin seulement d'être. Euh, quand vous êtes en train de travailler, de, 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 vous êtes là, vous devez on doit savoir que vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là aussi, on doit savoir que vous n'êtes pas là. Mais si vous êtes là et puis vous n'êtes pas productif, mais c'est pas bon, les gars. Parce que je préfère avoir quelqu'un qui soit engagé en train de travailler que d'avoir quelqu'un qui est là, qui est foutu, mais en réalité, qui n'a aucun engagement. Quand vous avez le temps de pouvoir développer votre business, vous devez maintenant avoir aussi le temps de pouvoir dissocier le temps pour certaines choses. Parce que vous devez, si vous, vous prenez tout le temps que vous avez, que vous faites des activités improductives, ça, ça ne va pas vous donner. Donc aujourd'hui, moi, je vais pouvoir vous expliquer quelles sont les activités, séparées dans tous les autres business, quelles sont les activités qui sont importantes à faire ou vous devez consacrer le temps à faire pour, euh, dans le marketing des réseaux. J'ai appris avec Datosri Vijay, déjà pendant ça, mes, mes mentors. Première des choses qu'il faut avoir, les gars, vous devez avoir un peu de temps, juste un peu de temps, pour comprendre l'industrie dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous devez avoir un peu de temps pour vous former sur les produits, sur la compagnie, sur l'industrie dans laquelle on se retrouve. Je répète, sur les produits, les produits de Cunette, sur l'entreprise Cunette, sur l'industrie, l'industrie, le marketing des raisons. Sur, euh, sur comment, juste avoir un peu de temps pour juste comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça c'est très important. Mais je ne veux pas que vous puissiez aller chercher comme des, des gens stupides, ok, qui passent tout le temps à aller taper sur Internet comment faire. Pour réussir dans le marketing des réseaux. Non, si vous avez juste ces informations-là, que je suis en train de vous donner là, elles sont très importantes pour que vous puissiez réussir. Les différentes formations que vous, vous allez avoir, c'est-à-dire que les formations, par exemple, de de de, Vicon, de ASB, toutes ces informations-là, quand vous allez venir, nous allons briser, nous allons enlever beaucoup de paradigmes en vous-même, dans, dans votre tête. Et l'autre chose aussi, que on va pouvoir faire les vidéos, par exemple, comme ce genre de vidéos, les vidéos de Dato, les vidéos de Japa sur YouTube, tout ça sont des informations très importantes que vous devez vous former là-dessus, des vies partenaires, des vies ambassadeurs, qui vont pouvoir vous aider vraiment à construire un bon réseau arrêter aussi d'aller chercher beaucoup de choses. Non, le secret du succès. Le secret de ce business, il est dans notre business et nous, on va vous le montrer. La majeure partie de ton temps doit être consacrée à une seule chose, l'ultime chose, l'ultime secret, ce qui peut te permettre de réussir dans cette activité. C'est présentation, présentation, présentation et présentation. Tu n'es plus capable de pouvoir présenter ton opportunité à quelqu'un, de parler de ton opportunité à quelqu'un, de pouvoir faire, faire comprendre l'activité à quelqu'un. Mais ça veut dire que tu perds ton temps dans le business. L'activité ne résiste pas aussi dans le fait de faire des formations en ligne, de parler aux gens ici, de parler des gens ici, de faire ceci. Non, moi, c'est pas comme ça que j'ai commencé à construire mon business. Et en tant que ton chief, je suis en train de parler. La chose la plus cruciale que tu dois faire, la chose la plus importante que tu dois t'arranger à pouvoir le faire chaque jour ou chaque semaine, c'est de faire des présentations. Tu passes la plus grande partie de ton temps et en train de faire beaucoup de choses, des activités, formations, etc. et que tu n'es pas en train de faire les présentations, écoute-moi, tu es en train de chouer dans le business. 80% de ce que tu es en train de faire dans cette activité, 80% de ce que tu es en train de faire de, dans cette activité doit être concentré sur tes présentations. Les présentations de toi et les présentations de ton équipe. Tout commence d'abord par toi. Et si 20% de ce que tu as à faire, les autres 20% sont consacrés à, aux formations que tu as fait à eux, à comment apprendre de, de ce business, apprendre comment le business se développe, comment construire, comment certaines choses, les produits, etc. Et l'autre chose aussi, c'est de prendre ce temps-là aussi pour voir. Euh, à appeler ton leader, te consulter ton leader, etc. Mais sinon, 80% du travail que tu as fait derrière ton équipe, c'est de faire des présentations. C'est le temps pour toi de pouvoir tester cela. C'est le temps pour toi de pouvoir t'évaluer aujourd'hui en tant que leader. Est-ce qu'aujourd'hui tu passes plus de 80% en train de faire les présentations de ton équipe ou toi-même tes propres présentations ou est-ce que toi tu passes 80% de ton temps en train de faire la formation de tes gars Si c'est ce que tu es en train de faire, mon frère, tu as déjà échoué. tu es en train de faire les présentations, les gars, excusez-moi de vous dire la vérité, mais comme vous êtes en train de faire les présentations, il y a certaines personnes qui vont vous dire oui, il y a certaines personnes qui vont vous dire non. Donc ne le prenez pas pour vous, ok Vous devez accepter cela parce que c'est ça la vie, ok Donc tu dois dit j'aime ça et puis j'avance vous savez, la liberté financière ne sera pas une liberté pour tout le monde. Tout le monde ne va pas pouvoir faire la avoir la liberté financière. Il y a certaines personnes qui, sont, qui ont pris la décision de rester pauvres, de rester pauvres, de demeurer pauvres, de rester pauvres, de, de faire tout ce qui est pauvre. Et ça, ça c'est la décision qu'ils ont prise. Ils ont aussi, aussi ont décidé de ne pas vouloir faire beaucoup d'efforts dans leur vie, eux c'est bon comme ça. Eux, c'est suffisant le peu qu'ils ont. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont toujours, qui sont toujours en train de chercher le chemin. qui cherchent comment ils vont s'en sortir, comment ils vont changer leur vie, comment ils vont faire. Et quand eux voient ces gens d'opportunité, eux aussi ils vont dire ils vont te dit il n'y a pas de problème, merci. ils vont te dire oui. Parce que vous, que vous voulez, que vous ne voulez pas, il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'attendre que vous puissiez venir lui présenter quelque chose. Et quand vous allez présenter quelque chose, il va vous dire oui, puis il va démarrer l'activité avec vous. Le deuxième point, c'est d'avoir un leader, c'est d'avoir quelqu'un qui soit vraiment à tes côtés, qui soit vraiment là pour toi. Et qui soit en train de te pousser à chaque fois. Et vraiment, tout le monde n'a pas la chance comme moi d'avoir d'être services déjà par la Plus grand des trois cas à travers le monde entier, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais vous n'avez pas besoin de ça forcément. Vous avez besoin forcément de juste avoir quelqu'un qui prend soin de vous. Il ne suffit pas aussi d'avoir un, un leader parce que le leader que vous devez avoir doit être quelqu'un qui doit vraiment vous pousser, vous pousser au delà de vos limites, vous aider vraiment à atteindre certains objectifs que vous n'avez jamais pu atteindre. Ne doit jamais vous comprendre. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui a travaillé pour vous promener, vous êtes à l'aise. C'est pourquoi je le dis toujours, être à l'aise, être quand tu es à l'aise, tu es trop à l'aise avec un leader, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Quand il ne te pousse pas à faire des présentations, il ne te pousse pas au delà de toi-même, il ne te dit pas des vérités qui te font te fâcher, mais ça veut dire qu'en réalité tu n'as pas encore un leader. Il faut comprendre que non, les résultats sont très importants aussi. Dans, lorsque la personne te suit. Et bien, parce que vous êtes des humains, je suis un humain. Non, non, vous êtes des humains, je suis un humain. Non, non, vous êtes des humains, je suis un humain. Ok. Il n'y a rien qui est plus important que ton premier, ton premier chèque, ton deuxième chèque, ton troisième chèque, ton quatrième chèque. Donc, lorsque vous prenez quelqu'un à un début pour l'amener à son chèque, il n'y a rien de plus important que, que ça, au fait. Pour pouvoir amener quelqu'un à passer un certain niveau, pour pouvoir le pousser, tu dois avoir faim, tu dois être fou. Et tu dois, tu, tu dois être fâché contre ta situation. Quand ces trois choses-là ne sont pas là, tu ne peux pas. Donc, quand tu ne, tu ne pourras pas le lui inculquer, parce que c'est ça que tu inculques à cette personne, qui fait que cette personne que tu es en train de pousser, même la personne même qui est en train de te pousser, s'il n'a pas ça, généralement, c'est difficile pour toi. Cette activité nous demande d'avoir un peu un grain de folie, un grain de stupidité, un grain de, 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 de dinguerie, au fait, en réalité. Où tu dois te retrouver là, et puis tu es en train de crier automatiquement Je vais faire le bassin, et puis les gens sont en train de regarder, de un peu truc. C'est ça, au fait, en réalité, cette activité. Ce degré d'un peu de passion, qui frise un peu à la folie. Tu dois te regarder dans le mur et puis tu dois te dire, je peux le faire, je vais faire le massage, je vais faire le massage. Parce que tu dois te pousser, tu dois pousser au-delà de toi-même en fait en réalité. Vous travaillez, vos premiers chefs, vous deux pourrez les montrer à vos, à vos différentes diètes. C'est très important parce que ça va enlever la peur en eux, ça va enlever la, 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 la crainte en eux, ça va enlever le doute en eux et tu vas pouvoir avoir le feu à l'intérieur d'eux et ils seront vraiment content et ils seront vraiment passionnés maintenant de pouvoir faire business. Parce que les gens ont besoin de voir ça en fait en réalité. Quand tu vois ça, ils sont ok les gars. Et les gars, pour avoir sa, pour avoir sa première commission, c'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est tellement, euh, euh, comment on appelle ça, c'est tellement de l'or à boire. C'est aussi simple que bonjour. Si tu as juste un manque à référer 3000 à gauche, 3000 BV à droite, c'est une personne que tu réfères à gauche qui fait lui 3000 BV. Une personne qui réfère 3000 BV, tu as eu ton premier set. Ou si tu ne veux pas, tu réfères deux partenaires de travail qui ont fait 1000, 1000, et puis tu les aides à avoir les deux partenaires de travail 1000, 1000, et puis tu as eu ta commission. C'est aussi Simple que ça, les gars. La manière, tu vas commencer à voir les avoir, avoir ta première commission très rapidement. La, tu, la manière, tu vas aider tes directs à avoir leur commission très rapidement. C'est comme ça tu vas voir que chaque personne qui va arriver dans le système, système aussi va avoir aussi leur commission très rapidement parce que tu viens de montrer au fait que c'est la manière la plus simple de faire. Pour amener les gens aussi à être, ça, ça va être contagieux, les gens vont commencer à utiliser cette méthode-là. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez comprendre Vous devez prendre tous vos directs et vous les regardez. Vous voyez, vous prenez 80% de leur temps. Vous prenez pour faire les présentations. Vous prenez 20% de leur temps et vous amenez les amenez à faire les formations. ne n'est pas venir compliquer cela. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que tout le monde, n'importe qui peut commencer ce business et puis commencer à se faire beaucoup d'argent. Parce que tout simplement, il a compris l'essence de la chose. Ces personnes que vous finissez à démarrer, faire démarrer dans les différentes formations que vous puissiez avoir, ça peut être peut-être des livres, ça peut être des, des CD, des vidéos que vous êtes en train de regarder, ça peut être des, des événements. Même de votre organisation, de votre équipe que vous êtes en train de, 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 de suivre. Ça peut être des événements qui sont organisés même par le VI ou même par Cunette. Voilà, ce sont des événements comme ça qui commencent à les faire grandir. Ces événements-là vont commencer à faire en sorte que les gars ils seront toujours activés, ils seront toujours OK. Ton organisation va commencer à grandir, à grandir. Tu, tu vas maintenant commencer maintenant à te focaliser sur comment les former. Mais déjà, il faut comprendre que non, le premier rôle quand tu es en train de construire un système ou quand tu es en train de reconstruire un système, le premier d'abord euh, travail à faire, c'est de faire beaucoup de présentations, de présentations, de présentations et de présentations. Te focaliser comment ces personnes aussi vont avoir les premiers, les résultats les plus rapidement possible. Ils finissent par avoir ce résultat automatiquement. Ils sont inspirés, ils sont motivés, ils peuvent motiver n'importe qui. Les gens voient les résultats automatiquement, ils sont ok et puis automatiquement pouf, ils se disent que non, voilà, c'est possible, on peut le faire. Ils vont il amener beaucoup de personnes à le faire. Ton organisation va commencer à grandir automatiquement. Tu vas voir que non, tu vas commencer à avoir maintenant ce qu'on appelle des challenges. Et les challenges vont commencer à arriver. Peut-être que les gens ne seront pas à l'aise du fait que non, tu, tu, ton organisation a grandi. Euh, les gens peut vont, 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 vont se dire que peut-être tu es en train d'escroquer les gens. Les gens vont peut-être se dire que non, peut-être tu es en train de faire. Comment on appelle ça euh, Tu es en train d'arnaquer des gens. Peut-être que tu es. Est-ce que vraiment ton business est légal Beaucoup de choses vont commencer à arriver. Tu vas voir que maintenant, tu vas voir des directs qui vont qui, qui vont commencer à être même arrogants. Ils vont plus vouloir maintenant t'écouter. En temps sans, quand ils ne t'écoutent pas, ils n'avancent pas. Ils savent aussi que non, ça les tue. Mais ils vont continuer à être dedans, t'es quand même. Tu vas voir que maintenant, les, les, certaines des personnes vont commencer à te laisser. D'autres aussi vont commencer à paniquer. D'autres aussi vont commencer maintenant à avoir la grosse tête. Ne panique pas quand toutes ces choses vont commencer à arriver. Certains de tes leaders même vont commencer même à, 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 à lutter ton leadership. Ne panique pas. Quand tout ça arrive, sache que non, c'est ton aventure qui est là. Et n'oublie pas ce que je viens de te dire. C'est que pour que tu puisses maintenant grandir dans ça, c'est-à-dire que tu es un leader, tu es un walk-in à plein. Donc tu dois pouvoir vider ta tasse, vider ton cœur et croire en lui et croire que tout ce qu'il est en train de faire, c'est faire pour t'aider. Un leader qui t'abandonne, cherche un nouveau leader. Un leader qui, ne, qui, qui, qui te bloque, qui ne qui t'amène pas à gagner des commissions, cherche un nouveau leader. Mais si tu n'en vas pas aussi, viens m'écouter sur le, le, chaque mercredi ici et applique ce que aussi je te dis. Écoute aussi les vidéos de Datos Rivide de Japan Abiza. Mais tout ça, arrange-toi quand même à avoir un leader. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train d'avancer et que tu es en train de ne pas avoir des leaders, le problème revient à toi-même. Parce que tous ces événements, qui sont, tous ces challenges qui sont en train d'arriver, ce ne sont pas forcément ton aventure. C'est juste une, euh, un événement dans ton aventure. Et tu dois comprendre que non, tous ces événements-là vont finir par passer. Tu dois commencer à te focaliser comment tu dois augmenter maintenant le niveau de tes résultats. Tu dois élever le niveau. À chaque fois, tu dois chercher comment tes résultats vont monter, tes résultats vont manquer. Et n'oublie jamais une seule chose. Arrange-toi ce que nos directs la puissent faire des présentations. Tu les parles, tu finis les parler rapidement. Ils vont faire des présentations, ils vont déjà appliquer. Arrange-toi ce qu'ils aient une mentalité des gens qui ont des rêves, qui ont une mentalité de guerrier. Ils sont préparés à toutes sortes rigueur, Peu importe ce que quelqu'un peut dire, mais ils seront résistants, ils seront très forts. Ils la culture de présentation, de présentation, de présentation, de présentation. Tu as comme ça plus de 100 personnes comme ça qui ont cette mentalité, mais mon gars c'est fini, tu fais le mass out. Tu vas continuer maintenant de garder ce feu-là en eux et de, les, de les jamais les laisser, de toujours faire en sorte qu'ils puissent avancer. encourager, tu vas les pousser, tu vas les aider, mais tu ne vas jamais les laisser partir. Automatiquement, tu vas commencer à prendre beaucoup plus de personnes que ça. Les amener à atteindre. La liberté financière. Et chaque fois, tu vas apprendre d'autres personnes, tu vas commencer à les atteindre, les, les permettre d'atteindre la liberté financière. bonjour tu seras assis là, par exemple, à 3h du matin, comme moi actuellement, et en train de faire le message pour des milliers de personnes qui doivent écouter le message du mercredi. Aussi simple que ça, les gars, arrêtez de compliquer le business. Ces gars-là doivent être prêts, ces gars-là doivent être calés, tout doit être OK. Et rien ne doit pouvoir venir changer quelque chose. Parce que tous les, les challenges qui peuvent arriver, tout le monde a fait face à cela. Donc, fais face à pour toi et puis avance. Parce que non, cette opportunité-là est entre tes mains. Et un bonjour, tu vas te retrouver en train de faire une vidéo pour plus de 6000 personnes. Tu vas essayer d'entrer de donner le meilleur de tes témoignages. Comment tu es passé de là où tu es de là où tu te retrouves actuellement. Parler au Vicon. là que tu dois remercier la personne qui a fait la présentation pour toi. Qui t'a référé même dans le business. Qui t'a aidé à ce que tu es, ton leader, ton work in plein. Tu dois aussi être reconnaissant pour Jato et Japa. Payer ce magnifique concept. Quand tu gagnes assez d'argent, tu dois pouvoir, pouvoir donner aussi, aider aussi. Le, ton staff, tous ceux qui sont près de toi, tous ceux qui ont bataillé, qui ont bataillé avec toi, c'est très important. Parce qu'à chaque fois que tu pourras donner de cette manière, la, de la manière que tu donneras, c'est de la manière que tu vas recevoir. Ce que tu as à faire, c'est simple. C'est juste d'être comme moi. Avoir juste un rêve et te battre pour ce rêve-là. Sachez que je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite la plus belle semaine à vous tous. Et n'oubliez pas, c'est très important. Arrêtez de compliquer ce business. Faites-le comme je vous l'ai dit. Présentation, présentation, 80% présentation, 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 présentation. Et les autres 20%, vous passez votre temps à former vos gars. Donc, utilisez tout votre temps à faire des présentations, des présentations, des présentations. Si, si, I love you.